Salut. Alors aujourd'hui on est sur Heroes 3 HD. On va partir sur un scénario. Alors, je vais vous expliquer le pourquoi après. Alors, donc je suis sur un scénario en difficulté normale, comme vous l'avez vu. Et là, tout de suite, la question se pose, mais pourquoi? Et vous avez raison de poser la question. La réponse est extrêmement simple. Sur Heroes 3 HD, je suis à la poursuite des différents succès sur le jeu sur Steam. Donc j'ai terminé il y a peu le succès des 10 cartes, terminé 10 cartes en mode difficulté impossible sans tricher. Et donc là je suis sur le succès des cartes en mode normal. Et du coup, je me dis, je vais juste couper un peu le son là. Donc, du coup, je vais en profiter en même temps pour montrer le jeu Nécropole sur les cartes de taille S. parce que, bon, je pense que beaucoup de monde le connaît, mais quand je regarde parfois sur Twitch certaines personnes jouer, bon, c'est surtout des Russes, et quand c'est pas des Russes, etc., les mecs, ils ont quand même tendance à pas être tout à fait opti dans leur gestion, on va dire, de leurs troupes, surtout quand ils ont Nécropole. Et du coup, on va revenir sur les basiques. La Nécropole. Je vais vous mettre le son, ne vous inquiétez pas. Donc je prends Galtran comme héros. Pourquoi? Pour commencer avec énormément de squelettes. Ainsi, en semaine 1, je vais truster le maximum de ressources disponibles. quel va être mon objectif? Donc mon objectif d'abord c'est de faire la ville, bien sûr. Ensuite il faudra que je fasse le tombeau, la crypte, la citadelle, le château et au moins le nécrolithe. Tout ça avant la fin de la semaine. Du coup je vais commencer par faire tout ça. Pour faire le nécrolithe il faut la guilde de mage, non? Ouais, donc il faudra que je fasse la guilde de mage en premier. Alors toi, si tu reprends de l'XP. Donc cette carte est parfaite pour ce que je montrais parce que c'est une carte très courte. Début semaine 4, elle va se terminer, je pense. Au plus tard. Ça c'est chancé moral, je m'en fous un peu de chancé moral. Donc Vidomina, toi tu vas aller. Tu commences par récupérer la mine. Et ensuite tu vas récupérer toutes ces ressources. Alors, petit Galtran. Ah, le bruit il est terrible quand on n'a pas la musique avec. Putain, il est excellent. Bon, je peux avoir de mana. Hein. C'est classique avec les spectres. Hein. Donc il faut que je voie cet arbre. Ça c'est obligatoire. Ok, ça, il y en a, ça m'arrange pas. C'est-à-dire, c'est bien, c'est un artefact, mais j'aurais préféré de l'or. Donc on a dit une full guilde de magie parce que sinon, excusez-moi, je vais avoir beaucoup de mal à me développer si j'ai pas l'or. Hein. Alors, au niveau des mines, qu'est-ce qui les garde? Où est-ce qu'on a des créatures non vivantes? Bah sur toutes les mines, on a des créatures vivantes en fait. Ah du coup, j'aurais pu jouer avec quelqu'un d'autre que Galtran. C'est pas grave. On va essayer de récupérer le maximum. Alors on va faire une sauvegarde parce qu'on fait toujours une sauvegarde avant de... Bon, sur les cartes en multijoueur, vous faites pas de sauvegarde. Vous
tenter, c'est à vos risques et périls. Généralement, vous ne le faites pas parce que. Voilà, plusieurs golems de pierre, j'aurais largement pu le faire, mais je préfère m'abstenir. Toi, tu vas faire quoi? Tu vas aller récupérer l'or qui est là-bas, parce que de l'or, on va pas en avoir beaucoup. On va même ne pas en avoir du tout, et ça, c'est pas cool. Le Graal est quelque part, ok. Bon, on va y ravir. Donc, les harpies sinistres, non, on va certainement pas attaquer ça avec les squelettes. Les gogues, non plus. Les guêpes serpents, ouais, certainement. Tu vois, je vais perdre pas mal de squelettes. Alors, bah écoutez, on va aller là-haut, hein. J'ai pas tapé le bon, j'ai pas trop regardé, bon bref. Alors, 3 squelettes. Ok, on a du pognon. Ensuite, on va aller par là. Toi, juste, tu vas aller donner. T'as un bouclier à donner à ton pote. Un peu plus de défense ne lui fera pas de mal. Ensuite, on a dit, on va faire la citadelle. Pensant lui, il va nettoyer un peu. Que ça, par contre, non, on n'a pas de mana pour faire bouclier, bah donc on fait rien. Ça m'aide pas beaucoup, ça. Où est ce foutu Graal? Alors eux, je les attaquerai au jour 1, c'est pas intéressant. Du coup, Galtran. Faut regarder niveau thune. Là, je vais être globalement à 15 000. 15 000, si je fais le château, il va me rester 10 000. Donc au jour 7, j'aurai 11 000. Moins l'écropole, ça fait 10 000. Au jour 8, ça fera 11 000. Moins 2, ça fera... 11 moins 2, ça fait 9. Ouais, je pourrais recruter. Ok. Donc, Galtran, il faut que tu rentres à la maison. Au jour 1, tu vas recruter tout ça. Ouais. On aurait même pu s'économiser une journée, mais bon. Alors, donc, fais le château. Jour 6. Alors, le Graal. Donc là, on voit que le Graal, il est sensiblement a priori par là. Par rapport à. Je vois la pierre. Donc, ouais, il est censé être par là. Du côté de la route puissance, dans cette zone-là. Ok, c'est bon à savoir. Alors, Galtran. Donc on fait quoi? Crypte améliorée. On recrute 12 seigneurs vampires. Et comme t'as quasiment plus de mouvement, tu bouges plus. Tu vas régénérer ta mana. Alors,
Donc, oups. Alors là, on va commencer à partir vers la cité maintenant, du coup, donc on va faire les autres bâtiments. Quant à Galtran, donc Galtran, il va partir sur sa croisade personnelle. Sa croisade personnelle, c'est d'aller libérer les mines. N'est-ce pas? Alors vous allez jouer, quand je joue de Nécropole, vous jouez avec les seigneurs vampires. Vous jouez pas avec autre chose. Voyez? Pourquoi? Bah vous allez voir. L'IA ne sait pas jouer contre les seigneurs vampires. Elle a jamais su, elle saura jamais. Donc là, j'ai récupéré des squelettes, je les jette, surtout je les jette. Pourquoi? Parce que les squelettes vont ralentir mon personnage. Très important de ne pas être ralenti. Alors toi, tu vas commencer à aller chercher le Graal. Il est dans une zone très vaste. Il peut aller du haut de la tour jusqu'à la tente bleue et un peu au-dessus de la roue de puissance. Donc le Graal, il peut être vraiment littéralement partout, hein. Vous allez me dire, ah, mais à ce rythme-là, tu vas bientôt en perdre un. Mais, hé hey, les gars, c'est des vampires! Ils se ressuscitent! J'en ai perdu un? Oh là là! Et voilà! T'as encore un problème! Et c'est pour ça que je vous dis. Alors, bon, là, c'est des tireurs, donc il n'y a pas vraiment de. D'impact. Mais de manière générale, l'IA ne sait pas jouer contre les seigneurs vampires parce que l'IA, quand vous arrivez avec un seul stack, elle sépare toujours ses troupes en 3, 4, 5, 6 stacks. Et en réalité, bah non, il faut pas. Face à des seigneurs vampires, il faut surtout pas, les gars. Bah non. Si vous séparez vos troupes en plusieurs stacks face à des seigneurs vampires, qu'est-ce qui va vous arriver? Bah, je vais vous le dire. Ils vont se joindre. Bon, ils vont pas me ralentir, donc tant qu'ils me ralentissent pas, ça va. Donc qu'est-ce qui va se passer si vous splittez vos stacks contre les seigneurs vampires? Bah, on est tout le monde besoin de rameaux ici. Par contre, les arbalétriers, ça m'arrange pas. Donc on va les virer. Parce qu'ils vont me ralentir. Quelques rocs foudroyants. Non, toi tu vas absorber le coup, même si je m'en fous en fait, mais... Le truc c'est que pour l'instant j'ai trouvé aucun groupe de mobs qui justifie les Pégases là, ils vont me servir d'exemple. Ils vont tout à fait me servir d'exemple. Toi, tu vas creuser partout. Donc c'est laquelle la mine que j'ai pas prise pour l'instant? Soufre. Ouais, c'est dommage. Mais bon, de toute façon, soyons honnêtes, j'aurai jamais assez de thunes pour améliorer clairement mes troupes. Donc là, voilà. Ça, c'est une erreur fondamentale.
vais vous montrer pourquoi. Premier round, vous attendez avec vos vampires, ensuite vous les mettez le plus à droite. Pourquoi? Parce qu'en général, vos vampires sont plus rapides que les troupes adverses. Lui, on s'en fout. Voilà, il se fait pipi dessus. Donc le vampire, vous le mettez ensuite dans un coin. À droite. Et là, au mieux, qu'est-ce que vous constatez? Il y a 4 packs d'ennemis. Au mieux, 2 packs pourront attaquer vos vampires. Et les autres packs, ils regarderont. Du coup, même si là, tous les Pégases vont attaquer mon vampire, en réalité, il n'y aura pas plus de 10 Pégases qui attaqueront mes vampires en même temps. Même s'ils sont 20, hein, ils ont beau être 20 Pégases, il n'y en aura pas plus que 10 qui pourront attaquer mes vampires. Donc 10 Pégases contre 12 vampires, je vous laisse faire tous les tests que vous voulez, hein. Vous verrez, les vampires s'en sortent toujours sans perte. Toujours. Et vous pouvez faire avec n'importe quelle autre créature du jeu, hein. Vous pouvez remplacer ça par des seigneurs minotaures ou ce que vous voulez, hein. Ça marche très bien, hein. Donc là, on va laisser mourir mes... mes dragons, mes guêpes là, parce que bon, voilà quoi, elles me saoulent un peu. Mais c'est vraiment des merdes, les Pégases. Alors, du coup, bah voilà, il n'y a plus qu'à fin faire. Et de manière générale, c'est toujours ce qu'il faut faire. À la fin du premier round, comme vos vampires sont plus rapides, c'est. Alors, attention, il faut le faire. Comme ça, que si vos vampires sont plus rapides que les troupes adverses. Sinon, il faut les mettre dans un coin en haut à gauche ou en bas à gauche de l'écran. Mais les coins en haut à gauche et en bas à gauche sont moins bons parce que y a 3 cases autour. Alors que les coins en haut à droite et en bas à droite, il y a 2 cases autour. Donc vous avez potentiellement moins d'ennemis qui vont venir vous attaquer. Je vous le dis pour vous, hein, encore une fois. Voilà. Donc là, on va essayer de faire l'essai, voilà, avec ces guêpes. Du coup, là, on n'a pas de guêpes serpents qui vont interférer. Donc ces guêpes dragons, elles sont plus rapides. Peu importe. Voilà, on laisse tout le monde avancer. J'avance. Il m'attaque, j'en fous. Ensuite, je déplace mes vampires dans un coin. Un stack m'attaque. C'est tout. Lui, il n'existe pas. Donc là, on est sur un nouveau round. Mes vampires attendent. Je me fais attaquer. Voilà. Ensuite, vous voyez, le dernier stack de 5 guêpes, il n'a pas joué. Et il jouera pas. J'attends. Là, tous ont attendu, puis après avoir attendu, eh ben, ils ont défendu. Donc là, mes vampires vont jouer, et le round va se terminer. Le stack de 5 n'aura pas joué à ce round-là. Du coup, nouveau round, je vais juste le finir. C'est aussi simple que ça. Et ça, l'IA n'a jamais su contrer ça. Jamais. Aussi incroyable que ça paraisse, effectivement, l'IA n'a jamais su jouer contre ça. Toi, rentre à la maison parce que on va essayer d'y aller au jour 1. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des gadins améliorés. Mon adversaire, il a toujours pas encore pris le contrôle de toutes ses mines. Bon, moi non plus, hein, cela dit, mais moi c'est presque intentionnel. Donc on va recruter. Oh, on peut améliorer les liches. Vous voyez, parce que si je veux recruter au jour 1, il va falloir que. Merde, j'ai perdu un tour avec Vidomina, c'est pas cool ça. Bon, de toute façon. Elle trouvera pas le Graal. Je pense que le Graal, il est dans la case où il y a déjà un trou.
va juste améliorer les ondes. Pourquoi? Parce que sinon ils sont trop lents. Et comme toujours, on n'a pas envie d'être ralenti. C'est le leitmotiv hein, sur ce jeu. Vous ne voulez pas être ralenti. Voilà. Toi, toujours pas de Graal. Je pense que le Graal il est là où il y avait un trou, déjà initialement. Je vois pas trop l'intérêt, hein. Je vais peut-être attendre un tour de plus, histoire de recruter des seigneurs vampires. Toi, tu vas te pousser par là. C'est pas bien d'attendre un tour. Ça, c'est très mal ce que je suis en train de faire là. Parce que je laisse mon adversaire recruter. Laisser votre adversaire recruter, c'est une erreur. Je vous le dis. Mais bon, après, je pense que j'ai pas mal de troupes. Alors, toi, tu arrêtes. Pour l'instant, de chercher le Graal, tu récupères ses troupes. Pourquoi? Pour que Galtran ne garde sur lui que les troupes qui sont les plus rapides. Ainsi, au prochain tour, il aura plus de points de mouvement que s'il avait gardé ses troupes sur lui. Puis tu les lui rends gentiment. Puis tu pousses. Tu laisses Galtran passer. Et voilà, Galtran y rush. Y a même pas de citadelle, y a rien. Ah, il y aurait eu un château, j'aurais été un peu dans la merde, mais bon, mes 28 seigneurs vampires l'auraient largement fait. T'as dit, je joue contre l'IA en mode normal, je sais que l'IA va galérer à se débrouiller, surtout sur une carte comme ça qui est assez pauvre en ressources. Alors, l'IA, il est où? Il est parti sous terre. Tous ses héros sont partis sous terre. Bah, c'est cool. Il a tout recruté, je pense. Ah, il a quand même des nagas, hein. Non, c'est bien. C'est bien. Non, je sais un truc. Ah, il a même pas amélioré ses. Oh là 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 là. Je vais essayer d'éclaircir. J'aimerais bien trouver ce putain de Graal. Mais bon. Par contre, faire très attention parce qu'il peut très bien partir pour. Pour aller chez moi. Je pense que c'est ce qu'il est en train de faire, non? La Serena, elle est à poil. Donc là, on va attendre le jour 1. Mais même si j'attends jour 1, je sais pas s'il y aura assez de troupes pour le contenir. Bon, on verra bien. De toute façon, il reste des troupes. Donc pour éviter la peste. Non, ces héros sont là. Solmir, ah t'as plus de mana Solmir, ah c'est con, c'est ballot. Par contre, j'ai pas oublié mes liches quelque part moi. J'ai forcément oublié mes liches quelque part, mais où? Je crois que je les ai oubliés sur Vidomina, non? Ça serait possible en fait. J'avais recruté des liches, hein, je suis sûr. Hein. Toi. T'as pas hâte, toi, non? Bon, allez, va sacrifier tes squelettes, va. Je crois que c'est tout, je crois qu'il n'y avait rien d'autre que ça. Tu veux jouer à ça? Bah, on joue à ça, mec. C'est moi le plus fort. Voilà, 25 minutes. Hein? C'est ma sixième victoire du coup en mode normal.
Ouais. Au moins, ça vous a permis de voir en fait le début sur quand vous jouez en mode normal ou sur certaines cartes assez riches. Par exemple, il se trouve que j'ai joué donc sur une ligue de joueurs, donc en multijoueur pendant de 2000 à 2004. Et je sais qu'il existe d'autres ligues. Et généralement, les cartes sur ces ligues sont étudiées pour être relativement équilibrées et relativement riches, de telle sorte que si vous jouez en difficulté, je sais même plus comment elle s'appelle, la difficile, eh ben, il y a suffisamment de ressources si vous tuez quelques monstres sur la carte pour pouvoir vous développer comme ça. Et du coup, le fait de jouer Nécropole avec Galtran, ça vous permet de liquider ces quelques monstres qui gardent l'accès aux ressources nécessaires pour pouvoir faire les seigneurs vampires semaine 2 jour 1. Et à partir de là, dès que vous avez les seigneurs vampires semaine 2 jour 1, bah vous faites plaisir. Vous dégagez tout parce qu'encore une fois, l'IA ne sait pas jouer contre les seigneurs vampires. L'IA s'amuse à splitter ses troupes en 3, 4, 5, 6, voire même 7 stacks. Et si vous positionnez vos vampires correctement, vous ne pourrez pas combattre plus de 2 ou 3 stacks à la fois. Et du coup, bah, l'adversaire, il y a une bonne partie de ses troupes qui ne participeront pas au combat. Et donc vous serez constamment en combat entre 12 vampires contre eux, mettons 10, je vais montrer 10 Pégases, mais ça peut aussi être 10, 10 Guêpes Dragons, ça peut aussi bien être 6 ou 7 Rois Minotaures, ça peut être toutes les variantes que vous voulez, hein, des Sylvaniens, des. Enfin voilà, tout ça. Et bah effectivement, cette technique, elle marche contre bah, tout sauf ceux contre quoi les vampires ne se régénèrent pas, donc les morts-vivants, les constructs et les élémentaires. Et donc effectivement, l'intérêt d'avoir Galtran, c'est que si jamais il y a une mine, par exemple, qui est gardée par des morts-vivants, bah, vous allez apprendre hein, dès la semaine 1. Vous prenez déjà en priorité les ressources pour construire les seigneurs vampires, et après vous essayez de prendre la mine, quitte à perdre quasiment tous vos squelettes, mais et vous prenez après la mine qui est gardé par les monstres contre lesquels les seigneurs vampires ne vont pas se régénérer, et comme ça après en semaine 2, avec les seigneurs vampires, croyez-moi, vous déroulez. Dès que vous avez fini un combat, vous récupérez des squelettes, vous les jetez, parce que les seigneurs vampires sont une troupe rapide, donc si vous terminez votre tour avec des seigneurs vampires, au tour suivant, vous aurez plus de points de mouvement que si vous terminez votre tour avec des squelettes dans votre armée. Donc, héros rapide, combat très facile, croyez-moi. Avec 12 seigneurs vampires, vous pouvez liquider beaucoup de choses sur les cartes qui sont faites pour un équilibrage en multijoueur. Avec ça, vous pouvez faire un rush et vous pouvez aller plus vite que n'importe quelle autre ville. Et arrivé en semaine 3, normalement, vous êtes en avance par rapport aux autres villes. Après, va arriver le problème, la nécropole, c'est que son T7 est très faible. Et que du coup, si la carte avance jusqu'à un terme où les T7 vont devenir prépondérants, c'est-à-dire à partir de la semaine 1 du mois 2, et ben là, c'est foutu. Vous allez vous faire griller par les adversaires. Donc la nécropole sur des cartes de type S, les cartes qu'on joue sur les ligues multijoueurs en général, ça c'est exactement typique d'une carte justement comme ça. C'est-à-dire, ce sont des cartes en ligue, vous avez votre ville, vous avez une mine de chaque ressource, vous avez un souterrain avec des objets magiques, avec plein de ressources, une mine d'or, des trucs comme ça, et une tente à voir pour pouvoir aller chez l'adversaire. Ou alors entre chez vous et l'adversaire, il y a 10 behemoths royaux, chose que vous pouvez taper avec 24 seigneurs vampires normalement. Et même si vous y croyez pas, je vous garantis, hein, faites l'essai. Vous allez voir que si vous attaquez 10 behemoths royaux, votre adversaire, il va faire 4 stacks, 3 ou 4 stacks, et vous aurez maximum 6 behemoths royaux à gérer. Si vous utilisez bien un bouclier, si vous utilisez bien éventuellement furie sanguinaire, des choses comme ça, vos seigneurs vampires doivent pouvoir faire le poids. Et ça passe. Croyez-moi, ça passe. D'ailleurs, c'est même pas 24, puisque c'est 8, 12, c'est 28. C'est 28 seigneurs vampires que vous avez en semaine 4. 28 seigneurs vampires vraiment contre 10 behemoths royaux, ça passe. Encore une fois, parce que l'IA ne sait pas faire un seul stack avec ses 10 behemoths royaux. S'il faisait qu'un seul stack avec, il vous écraserait la gueule. Mais il sait pas le faire. Il fera toujours au moins 3 stacks et vous allez voir, c'est tout de suite, c'est beaucoup plus facile. Donc voilà.
Si vous voulez jouer Nécropole sur des cartes en multijoueur, mais des cartes, disons, compétitives, parce que si vous prenez une random map en multijoueur, effectivement, ça peut être n'importe quoi. Mais si vous prenez une carte type compétitive, ou si vous téléchargez des cartes sur, par exemple, sur le site Archangel Castle, puisque c'est là qu'il y avait une ligue francophone au début des années 2000, je suis sûr que la partie Heroes 3 a encore toutes ses cartes de ligue de disponibles. Amusez-vous, elles sont extrêmement bien faites ces cartes et je vous garantis, j'en ai testé beaucoup, bah, j'ai joué sur cette ligue hein, pendant 4 ans, j'ai été testeur de pas mal de nouvelles cartes, donc pour tester l'équilibrage, les bon bref un certain nombre de choses. Et je vous garantis, effectivement ça vaut le coup quoi. Franchement, et ça va vraiment vous permettre de progresser. Alors certes avec la nécropole. Mais c'est déjà quelque chose. Donc si vous êtes pas, si vous considérez pas que vous êtes un expert de Heroes 3, si vous savez pas tout mesurer, calculer au centimètre près, bah il faut vous entraîner parce que si vous voulez devenir un champion de Heroes 3, bah, il faut tout calculer, tout mesurer, tout anticiper. Mais vraiment, voilà. Donc pour les gens qui ont pas l'habitude de jouer à la nécropole comme ça, si vous jouez encore une fois sur des cartes de type compétitif, ou si vous jouez sur des cartes de petite taille contre l'ordinateur, hein, des cartes de ce goût-là, voilà comment il faut jouer, ça marche très bien, et ça va faire de vous quelqu'un qui va prendre beaucoup d'avance sur les autres. Par contre, encore une fois, il faut que vous gagniez au plus tard semaine 4 ou mois 2, semaine 1, jour 1. Après, c'est trop tard, votre adversaire aura trop de T7, et la suprématie de ces T7 va lui assurer la suprématie. Lors du combat. Donc il faut torcher ça en général en semaine 4. Si vous voulez finir plus loin que la semaine 4, il faut pas faire un rush comme ça, Seigneur Vampire. Vous pouvez faire un rush Seigneur Vampire, hein, ça gêne pas. Mais il faut essayer de blinder et bon bref. Parce que la nécropole, c'est une ville qui est bien soit à très court terme, le premier mois, si vous rushez Seigneur Vampire, je vous assure que le premier mois, vous allez écraser tout le monde. Soit sur une partie plus longue, où là, votre stack de squelettes compensera la faiblesse de vos T7. Et la magie que vous aurez acquise dans les différentes villes, le développement que vous aurez fait de votre personnage, etc., pourra compenser. Donc là, la nécropole, c'est une excellente ville pour les cartes S de ce type-là, ou les cartes plutôt XL. Pour les cartes M, c'est quand même généralement. Bon, il peut y avoir toujours des cas particuliers où le mec de la nécropole a tous les meilleurs sorts de l'univers, et puis voilà. Mais de manière générale, effectivement, c'est plutôt une ville pour cartes S ou XL. Bref, assez de blabla, on a gagné. Eh ben, je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde! On se reverra sur autre chose, je ne sais pas encore quoi, mais peu importe.